taclé par un critique gastronomique au sujet de sa première étoile Michelin, Maurice Sacco a décidé de réagir dans les colonnes de Téléloisirs, ce lundi 15 février 2021. Mais pas question de souffler sur les braises pour l'ancien chouchou de Top Chef. Maurice Sacco plus suivre ne plus suivre ceste le jeune chef qui monte. Le monde de la cuisine n'a d'ailleurs que pour Maurice Sacco, découvert lors de la 11e édition de Top Chef. Au point que le protégé de Thierry Marx, aux inspirations africaines et asiatiques, a obtenu sa première étoile Michelin, quelques mois seulement après l'ouverture de son premier restaurant Mozouké dans le 14e arrondissement de Paris. Une ascension fulgurante qui suscite forcément des blâmes dont celui de François-Régis Gaudry, critique gastronome. En aucun cas, je ne lui aurais jamais donné une étoile. J'y ai mangé un des pires plats de la rentrée, avait déclaré ce fin gourmet sur France Inter au sujet de ce garçon intelligent, très bien câblé en plus mentalement avec une vraie culture personnelle. Et de poursuivre, il la vaudra certainement un jour son étoile Michelin mais, ce n'est pas lui rendre service que de lui attribuer une étoile comme l'a fait le Michelin avec cette précipitation. Je ne rentre pas dans ce jeu-là mais ces remarques n'ont pas forcément atteint l'intéressé, qui a dû puiser dans ses mangas préférés pour garder son sang-froid. J'ai vu, et concrètement, ce n'est pas ma vibe, son état d'esprit, NDLR. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Les critiques appartiennent à ceux qui les font et je ne me sens pas du tout concerné, a-t-il confié à nos confrères de Téléloisirs, ce lundi 21 février 2021. Le contexte actuel, avec la fermeture des restaurants, est en effet autrement plus indigeste que les griefs d'un critique. D'autant que son agenda est du genre chargé entre son activité de service de livraison et la présentation d'une émission, Cuisine ouverte, Un chef sur la route, proposée tous les samedis à 20h15 sur France 3. L'occasion pour lui, de rendre hommage aux médias qu'il a fait connaître et surtout, de prouver que la cuisine est universelle.